Essayez pas de grappiller de l'avance, on vous fera reculer. Parce que tout le temps que tout le monde arrive, il y en a qui vont commencer à avancer. Ce matin, je me suis mis en colère avec le porte-voix pour que tout le monde recule. Parce que si vous allez à main droite, vous allez prendre des ronces et des arbres. D'accord ? Vous allez sortir de la natation, vous allez rentrer dans le parc à vélo, là où vous avez trois bénévoles qui sont assis sur la barrière. Voilà, vous rentrez dans le parc à vélo. À gauche, c'est tout droit, jusqu'à un rond-point. Rond-point à droite, tout droit, il y a un rond-point, demi-tour, et vous rentrez. Une boucle de 20 km. Là, vous allez tout droit, jusqu'à la piste d'aérodrome. Vous allez tourner à droite, et là, vous avez 800 mètres de ligne droite. C'est normal. Après, vous allez partir un peu sur la gauche. Vous allez traverser des maïs. Vous avez de la chance, vous n'avez pas trop chaud cette année. Et le demi-tour, il est un peu plus haut, avec un cône. Et il y aura deux personnes qui font le pointage. Donc s'il y en a qui veulent gratter du temps, c'est pas la peine, parce qu'on piste les numéros après. Et après, vous... Petite précision, normalement j'en vois pas, mais la combinaison est bien interdite. Donc pas de combinaison au départ, s'il vous plaît. Si malencontreusement vous faites du drafting sur la partie vélo, qu'un arbitre vous met un carton bleu, C'est de votre responsabilité de vous arrêter à la penalty box qui était la sortie de la course à pied. Voilà, cet arbitre y est. Du moment qu'on vous présente un carton bleu, vous devez spontanément aller vous présenter à la penalty box pour un temps d'arrêt. Voilà, sinon vous serez disqualifié, ce qui serait dommage. Sortir en tête de l'eau n'est pas une garantie de succès. En bouillant dans le parc à vélo pour prendre le relais des nageurs. Allez,
Déjà une minute de danse. Ouais. Il y a
Super Antoine, t'as une minute, une minute. Au 56, Antoine Courant, il rentre dans le parc avec 1 minute 37 secondes de retard. 1 minute 37. Ce sera très très difficile d'aller chercher le leader. Non, mais non, triathlon. Jack Dauter. Et le troisième a pénétré dans le parc à vélo. 298. Tranquille Antoine, t'as fait le pas. Charlie Bercy le retard, 2 minutes 16. Pierre-Olivier Dumont du SAP Méridien Triathlon, 2,31 de retard. Alors si la victoire semble compromise pour tous ces coureurs, la deuxième place est encore peut-être jouable. Et voilà le premier relayeur, équipe 212, l'équipe TTM, avec Thomas Cardanera. Allez, c'est parti pour la première équipe. Et la deuxième équipe n'est pas loin. Il se compose de Christophe Fouillard, David Barbory, qui est déjà hier. Tout assez importante. Le podium féminin qui ne devrait pas trop évoluer. Allez, Lisa qui s'élance et qui va aller assurer la troisième place. Ça va avoir ce accident. Il devrait s'imposer dans ce triathlon sprint de Villeneuve-sur-Lot, la dernière épreuve du programme. Gros succès que cet événement ici à Villeneuve-sur-Lot, plus de 500 concurrents, rendez-vous compte, 500 concurrents pour l'épreuve organisée par Olivier Paris et son équipe. Les applaudissements pour celui qui va remporter cette épreuve, ce format S. Allez, il serre le poing. Le voici encore, 50 mètres. Il appartient au club de Toulouse, l'Auto-Triathlon. La victoire pour Monsieur Dauter. Voilà la victoire pour Yann Dauter avec une belle avance. On va laisser les trois premiers arriver, le laisser récupérer un petit peu, aller avant d'aller recueillir ses impressions. Voilà le deuxième qui va en terminer par quelques secondes. De ça à 56. Antoine Gourand. Deuxième place. Antoine Gourand, le dauphin, qui a réussi à maintenir sa deuxième place et qui a même, semble-t-il, repris un petit peu de son retard. Regardez la troisième place qui complète le podium. Plusieurs coureurs étaient en lice pour la dernière place sur la boîte. Bravo Antoine. Alors c'est dur. C'est dur la contre-pied.
T'as repris du retard même sur la course à pied. Ouais. Mais après j'ai vu que derrière ça rentrait pas du coup. Bon ben. T'as vu, tu serais mieux sorti de l'eau. Hein. Tu serais mieux sorti de l'eau. Hein. J'étais dernier de l'eau. C'est par Yann Dauteur et Antoine Gourand. Bravo. Ouais. J'ai mangé une pipette et j'ai même pas pu boire. Au ravito, j'ai pris le verre. Je me suis étouffé. Charles Mercier, encore un Toulousain, Charles Mercier, applaudissements pour Charles Mercier, complète ce podium, et deux tiers Toulousain aujourd'hui, et la première équipe également de Toulouse, triathlon métropole, équipe qui remporte cette épreuve. En relais, l'équipe TTM composée de Thomas, Pierre Carrière, Grégoire Dufier et Thomas Brunin. Et les abonnés qui se succèdent à la quatrième place pour Pierre-Olivier Dumont. Pierre-Olivier Dumont, si vous êtes attentif, vous le reconnaissez peut-être qu'il a déjà pris la deuxième place ce matin. Deuxième de l'épreuve CD, quatrième de l'épreuve S. Oui, mais dans le lot. Quatrième place pour Bastien Vedrine, qui va nous un triathlon. Magnifique quatrième place. Il est allé au coup de lui-même, il a déjà pu aussi participer déjà à une épreuve ce week-end, et hier sur l'Euro. Igor Dufy qui est en tête à l'issue de la rotation. Tout le monde a performance sur le vélo en course à pied, mais toujours une belle place, sixième place pour Igor. Et on va aller. Deux vainqueurs. Allez, avec Yann, le grand vainqueur. Félicitations, Yann, une belle épreuve. Tu as maîtrisé quasiment de bout en bout. Tu as fait la différence, semble-t-il, sur le vélo pour gérer la course à pied. Raconte-nous un petit peu comment s'est déroulée cette course. Je suis un peu faible en ce moment, donc je savais que si ça pouvait être derrière, j'avais des risques. Donc j'ai essayé de mettre une allure à peu près à 16 et puis j'ai tenu ça et c'est passé. Donc je suis content. Une belle gestion de course, la suite de ta saison, des objectifs. Oui, il y aura le M au Lévesou fin août et après Super, merci beaucoup Yann, félicitations, on te retrouve tout à l'heure sur le podium pour la cérémonie protocolaire de victoire. Alors que ça va être une arrivée au sprint. Arrivée au sprint pour la 19e place. Entre deux équipes, deux ans, une équipe. Équipe 216, le duo girondin. Et la voici la première. Chaussard numéro 57, elle a survolé cette course, elle est anglaise. Victoire de Lily Gibbs. Elle me dit qu'elle a réussi vraiment cette course première de bout en bout. On te retrouvera tout à l'heure sur le podium. Et le top 30 pour Alban Lalanne, 30e place. Eric Perrault. On est dans le top 40, 39e place à l'instant. Je regarde toujours la deuxième féminine. Thank you.
poursuivre maintenant. On attend toujours la seconde féminine. Quel écart creusé par Lily Gibbs. Course tout en maîtrise. Pour Lisa Trey. Lisa qui a tout donné pour aller jusqu'au bout. Elle n'a pas réussi à rattraper Louise. Voilà, le podium est complet. Quatrième féminine. Quatrième place pour Amandine Marcoux. Bravo Amandine, on te retrouvera sur le podium tout à l'heure. On ira voir aussi Margot tout à l'heure, le père et la fille qui ont réalisé aujourd'hui leur premier triathlon. Et Margot pour leur premier triathlon, cinquième place. Déjà 84 coureurs à avoir franchi cette arche d'arrivée. Mathieu Humbert, couleur d'un minute 51 secondes qui vient d'en terminer. Je vous rappelle, ils étaient à 155 inscrits. Ce qui porte le total de participants de ce triathlon de 9 sur l'autre à plus de 500 concurrents. Un record de participation une nouvelle fois battu pour le Villeneuve sur l'autre triathlon. Allez, on va appeler pour être récompensé l'ultime concurrent. S'il vous plaît, sur le podium, j'appelle François Bourré qui est allé au bout de son triathlon. Il est venu de la Loire pour cette épreuve. Les félicitations également de Guillaume Lepers, conseiller départemental. Les futurs champions que l'on ne manquera pas de retrouver au classement scratch dans les futures éditions. Voici les féminines. La première place catégorie master, elle vient de l'ESB Natation, prix 1h25 minutes 9 secondes, Laure Narbé. Stéphane Aragayo, vainqueur catégorie master. Merci. Le scratch féminin. La troisième place, elle nous vient encore de Brive-Limousin Triathlon. Elle est cadette. On l'a déjà vue sur ce podium à de multiples reprises durant ce week-end. Troisième place, Lisa Trey. Allez, pour accompagner Lisa sur ce podium, ça s'est joué de très très peu. La deuxième place, 1h15 minutes 17 secondes, il y a très exactement 7 secondes d'écart avec Lisa. Deuxième place pour Louise Smith. Les applaudissements s'il vous plaît pour Lily Gibbs et Lisa Trey, nos lauréates sur ce triathlon sprint. Les messieurs, nous avons trois seniors sur ce podium, dont deux Toulousains à la troisième place du TTM, 1h10 secondes. Applaudissements pour Charlie Mercier. Ce podium et c'était son premier triathlon aujourd'hui, premier triathlon, déjà une seconde place, déjà un podium, ça promet pour les futures épreuves. 58 minutes et 42 secondes, Antoine Gourand. Et le grand vainqueur, tout en maîtrise, il a mené la course presque de bout en bout. Il a fait la différence sur le vélo et n'a jamais lâché la tête. 58 minutes et 5 secondes, il nous vient de Toulouse, le Toac Triathlon, Yann Dotter. La remise des lots avec le président du comité départemental, Guy Gobato, notre conseiller départemental de Villeneuve, Guillaume Lepers. Oh,
Allez, même punition, on s'avance pour la photo. Encore un petit mètre, s'il vous plaît, on va se mettre bien devant pour les photographes. Et s'il vous plaît, les applaudissements nourris pour nos champions. Voilà, merci ce podium masculin de ce triathlon de Villeneuve sur l'Aude. On va maintenant passer au relais, puisque ce triathlon est également réalisable en relais. Alors on va appeler la première équipe féminine. Elle nous vient d'Agen Triathlon. Ils étaient présents en nombre aujourd'hui. Les battantes du SUA, 1h20 minutes 26 secondes. Bravo les filles, allez, pour les accompagner sur ce podium. La première équipe mixte, 1h05 minutes 39 secondes. Mais de quel club s'agit-il? Le SUA Agen Triathlon. Première en mixte. Allez, on rejoint les filles sur le podium. Allez, l'équipe mixte du SU sur le podium également. S'il vous plaît, on va faire remonter toutes les équipes. Un podium bleu, blanc et noir. Et les vainqueurs masculins, ils nous viennent de Toulouse. 1h25 secondes. Le TTM, l'équipe de Toulouse, Triathlon Métropole. Allez, on se décale un petit peu pour laisser place aux messieurs. Et voilà, les messieurs vainqueurs en relais. Avec les cadeaux. Allez, la photo s'il vous plaît pour les relais. Et les applaudissements, s'il vous plaît, du public de Villeneuve-sur-Lotte. Allez, merci beaucoup. Juste avant de clôturer ce triathlon, un petit mot avec le représentant de la ville de Villeneuve-sur-Lotte. Féliciter les bénévoles parce que cette manifestation, c'est beaucoup d'investissement. Je venais demander à madame ces 10 mois de travail pour ces magnifiques journées. Et bien évidemment, comme vous êtes nombreux à venir de toute la Nouvelle-Aquitaine, voire de plus loin, revenez à Villeneuve-sur-Lot, une ville magnifique et accueillante. Et merci à tous d'être venus aussi nombreux. Bonne journée, bon retour. Merci monsieur Le Pers. Et le mot de la fin. Allez, un petit mot pour Guy aussi, notre président du comité départemental de triathlon. Bon, moi je dois dire simplement un grand merci à tous les athlètes qui sont venus aujourd'hui, hier et aujourd'hui. Un grand merci aux bénévoles. Et je pense que vous reviendrez encore plus nombreux l'année prochaine, ça sera super. Merci à tous. Allez, les applaudissements s'il vous plaît pour clôturer ce triathlon de la meilleure des manières. Voilà le mot de la fin pour le grand Manitou de l'organisation, le président de Villeneuve-sur-Lot Triathlon, Olivier Paris, pour le mot de la fin. Alors, je vais me répéter bien sûr. Tant qu'il y a encore du monde, je voudrais encore qu'on applaudisse les bénévoles de Villeneuve-sur-Lot Triathlon, s'il vous plaît, merci. Allez, un peu plus fort, s'il vous plaît. Merci, super. Ah, et je suis super content du week-end. Apparemment, j'ai pas de retour négatif, donc on va continuer dans cette voie. Donc maintenant, pour les bénévoles, il reste le meilleur, rangé. Voilà. Et merci à tout le monde. J'espère qu'on se reverra. De toute façon, on se recroisera sur une triathlon, j'en suis sûr.